Jamais déçu, 100% homme et 100% Dieu. Qui pourrait expliquer cette conception? Pour nous, le Créateur a décidé de quitter son trône et devenir création. Si on devait comparer nos deux vies, on se rendrait bien compte, c'est pas une histoire de David. Les gens ont acclamé les Moïse, les David, ont renié Jésus sans argument valide. Il est venu et sa venue a séparé le temps. Si tu crois pas, viens de notre côté pour voir comment Jésus peut transformer un cœur brisé et l'utiliser pour sa gloire. Les yeux fixés sur Jésus, car il est le Je suis. S'il est ce qu'il est, c'est sûr que je sais que c'est lui que je suis. Dites-nous comment quelqu'un que nous avons jamais vu pourrait avoir un si grand impact. Et dites-nous pourquoi, malgré les vents et marées, notre foi lui reste intacte. Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis.